Hi les gens, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure Golden Sun. Donc on est arrivé à Vault, je sais pas, je vais dire Vault parce que Vo ça fait très moche. Mais il est vrai qu'en français on devrait dire Vo. Donc voilà, je vais fouiller un peu les objets, je suis dans la... comment ça s'appelle? L'auberge, voilà, I-N-N en anglais, l'auberge. Où on peut se reposer. Oh, une menthe. Je ne sais plus du tout ce que fait cet objet, mais nous allons voir ensemble. Que fait la menthe? Booste l'agilité. D'accord. Bon. C'est un peu... c'est l'esquive, quoi. C'est un peu ça. Je pense que dans beaucoup de RPG, agilité et esquive sont les mêmes choses. Oh, il a l'air chelou, le mec. Alors... qui es-tu? D'accord, le mec, à peine on lui parle... J'aime bien, le mec, à peine on lui parle, on... nous n'avons rien fait, pourquoi vous venez? D'accord, le mec est pas suspect du tout. Hein, mais alors là, pas du tout. Alors, je vais quitter l'auberge. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous partez à l'aventure? Oui. Donc, il y a un mec là-haut. C'est quoi? C'est la prison là, non? On dirait. Là, si on peut ouvrir. C'est bien une prison. On aurait bien dit. Mon dieu. Ne peut pas retourner à Calais sans avoir retrouvé le bâton. Ok, donc il y a un mec qui cherche un bâton. Ah, c'est lui normalement. Télépathie. Oui, je possède d'étranges pouvoirs. Tu les as toi aussi, n'est-ce pas? Quoi, mon pouvoir, il s'appelle la synergie, je ne le savais pas. Ah d'accord, le mec ne savait pas. Nous avons tant de temps en commun, je pense que je peux te faire confiance avec ça. Et quoi, c'est le vendeur d'armes? Ça m'ennuie beaucoup que le bâton de Maître Hamet ait été volé. Oui. Merci à nous trois, je pense. Hein. Vous vous appelez Vlad et Gareth, l'enculé. Oui. Suis-je non. Moi, je vais mettre non. Oh. Gareth, il est en mode non, non, non. Arrête. Ah non, ah non. Ah mon esprit, arrête de lire dans mon esprit, Yvan. Alors, Vlad, peux-tu lire l'esprit de Gareth? Non. Ce que je pensais, quoi tu... Ah, le bâtard, il a menti. Ah, ce n'est pas juste, pourquoi c'est moi qui... C'est toi qui l'envoie, tu as raison. Ah, ouh, ça a marché, j'ai lu dans ton esprit, Vlad. D'accord, en gros... Attends un instant, on peut savoir si on utilise la télépathie. Oh, je vois, vous sentez lorsque je me sers de ma synergie. Gareth et toi et des mystiques. Oui, donc en gros, les humains ne ressentent pas, quoi. Enfin, les humains normaux, les mecs qui n'ont pas de synergie. Parce que nos personnages sont quand même des humains normaux, sauf qu'ils ont juste de la magie en eux, quoi. Vlad observe le baril. Tu sais, je vois bien le mec qui est en train d'observer à mort le baril en mode « Je veux quelque chose. » Alors, que dit le... on dirait le... Oh, tu vas aider Yvan, d'accord. Merci. Ok, dialogue qui ne sert strictement à rien. Y a pas un truc dans cette caisse? C'est une noisette, c'est cool. Alors, ils ont l'air chelous quand même. Hein. Alors, start... non, c'est pas start, c'est select. Synergie télépathie. On dirait qu'ils nous ont repéré. Il nous faut mieux de partir d'ici le plus vite possible. D'accord. D'accord, donc lui il est chelou. Ah oui, je me rappelle, il y a un truc à faire avec le chien. Je crois qu'il faut que je crois qu'il faut que je lui. Est-ce que si. Non. Est-ce que. Non, pas soin. Je vais souffler le chien à mort.
Le pauvre. Télépathie. Voler au beau milieu d'une éruption. L'argent à leur propre. C'est vraiment le chien qui a dit ça? What the fuck? Au calme, hein. C'est un chien, le mec au calme, c'est. Tout va bien. Ah, le vendeur d'armes. Alors, je crois que c'est les armes, mais je crois. Alors, acheter. 50. Ah oui, c'est mieux en fait. Oui. Je vous offre 15 pièces. Ok. Bah écoutez, je vais m'équiper un peu, hein, parce que. 15 pièces pour la chemise, oui, voilà. Clier. Les gants, ça va, c'est pas. D'accord. Les bracelets, c'est pas ouf non plus. Les chapeaux, 30 pièces, c'est mieux en fait. Oui, on avait rien sur la tête, donc du coup. Et une tiare. Non, la tiare, c'est pour. Mais. Vu le prix, hein, c'est un peu cher. Mais je trouve rien, d'accord. Rien dans ces. Y a rien dans les barils, c'est dommage. Je me rappelais qu'il y avait des objets, mais je pensais pas qu'il y en avait si peu. Alors, une épée longue. 200! Oh god. Là, oui. 90. Oh, il manque peu. Hein? Qui va prendre le. Bon, ouais, on s'en fout des tickets. Paix courte. Ouais, ok. Vendre. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Éventuellement, le ticket de jeu. Bon, ouais. Je sais pas à quoi ça sert réellement, concrètement, les tickets de jeu, mais. Putain, j'ai rien. Je vais me ruiner en fait. Mais bon, enfin, quoique, je vais regagner de l'argent, mais. Voilà. Moi, mes persos vont taper un tout petit peu plus fort. Côté, c'est de quoi avoir de la. Je crois que c'est des herbes et tout ça. Bienvenue vu à Vault. Non. Chaque fois, j'appuie sur A. Mon voisin me fait peur. Il a toujours des attitudes. D'accord. Eh, monsieur. Oui. C'est sympa. Non. Moi, faut te faire foutre. Alors, je pense que, à mon avis, on va tenter de d'aller utiliser la télépathie sur. Oh, tiens, il en manque un. Ah non, ils sont en train de discuter là. Hein? Que voulez-vous? Je ne supporte pas le. Ah oui! C'est le fameux. Je crois que en fait, quand on leur. Je crois que faut. Ouais, voilà, c'est ça. Faut leur tourner autour et. Quelque chose cloche. Oui. Bah, on se sépare. Tweet! Nous pourrions en encercler un. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Donc. Oh, il en a un contre un. Ah, bah lui, il est. Voilà. Oh, je suis encerclé! Bien. Alors. Qu'est-ce que c'est? Que fait-il? Que fait-il? Oui. Qu'as-tu appris? Ce sont eux, je pense qu'ils ont pris tout un tas d'autres choses. Ok. Dans cette auberge. D'accord. Oui. Trois petits points. Non. Le perso qui s'exclame que avec des smileys ou des points. Ah oui, mais oui, mais c'est facile, il faut aller là-haut. Ah oui, il faut déplacer. C'était sûr, hein, qu'il fallait aller sur le toit, vu que c'est le truc qu'on a vu. Ah. Non, faut. Oui.
Je suis venu pendant que je réparais le toit. J'ai dit que je ne pourrais pas en sortir. Il s'est fait frapper derrière le crâne. Bizarre, je ne sais pas, toutes ces caisses. On dirait que nous avions été démasqués. Nous avons été démasqués, oula. Ouais, du coup, c'est les trois, c'est le mec qui était dehors et les deux autres qui étaient dans le dans l'auberge. Après l'éruption. Tu as dit Lumpa? Ah, d'accord. La ville a le nom de son fondateur, Lumpa, l'honorable voleur. Ah, d'accord. Ok, c'était. Mais le fils de Dompa, de Dompa, putain. D'accord, est un ignoble voleur. Il est immoral, j'ai appris qu'il était perfide et ignoble. Ah. On peut partir? Non. C'est des voleurs, on va pas les laisser partir. Ça reste un crime. Bah oui, hein. Non. Baston. Moi, 2 secondes à taper. Tremblement. Flambeur et rayon. Tiens. Il est plus rapide que les autres. Flambeur. Putain, il résiste, hein. On va taper, on va voir ce que ça fait. D'accord. Il tape pas fort par contre, Yvan, hein. Oh, le crit. Oula, Yvan, tu vas mourir. Pas grave, on t'en veut pas. Tu aurais été d'une grande nuit. Le mec, il laisse crever tout le monde, tu sais. Non, non, c'est pas grave. Il va mourir. Putain, mais il résiste à ça, mon Dieu. Mais ils ont combien de PV? Ah, il y en a un qui est mort déjà. Fumigène. Ah non! Ah non, ça augmente leur. Quand on est dupé, on a plus fa... on rate plus facilement. Oh non, il s'est soigné. Ouais, voilà. Ah, il est plus dupé, d'accord. Il a pas été dupé très longtemps. Hein. Oh non! Mais vas-y, mais. J'ai l'impression de jouer à Pokémon. Le mec, il va me stall avec ses soins. Oh, Vénus fait mal, hein. Aïe. Wouah. Ce pic. J'aime bien Garrett, il se fait pas frapper, hein, c'est Ah bah voilà, enfin. Bandit, putain, il donne séisme, d'accord. Et cimetière, dans le plus grand des calmes, j'ai appris séisme. Pendant un instant, j'ai cru que nous étions perdus. Oh, on a gagné, donc je pense qu'ils vont être emmenés en prison. Je vais trouver le maire. Tout ce qu'on a volé. On ne vous a pas dit que voler c'est pour les nazes. Oh le bâtard. Je vous l'avais dit quand on aurait dû éviter cette ville. Le mal ne vaincra pas. Il est énorme, il est vénère. Hein. Pavel et les autres. Pip pip. Non, on va pas l'empêcher, comme ça il va connaître l'histoire. Si tu le dis. Parce que si tu mets oui, il va nous poser des questions, mais là, il a compris. Oui. C'est ce qui s'est passé, oui. Ce sont les voleurs, monsieur le maire. Et les baraqués. Ce que vous avez fait est mal! Le mec, il ajoute tellement de A. Ouch. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Le mec, il s'est fait fracasser la gueule. Ils vont moisir en prison pendant. Alors, quel est le coffre que je vais prendre? Parce que si je me rappelle bien, on doit choisir un coffre. Allez, debout, debout. On les aide à les ligoter, comme ça au moins ils sont safe. Je t'oublierai pas. Emmenez-les. Ils sont résistants les bandits quand même. Hein.
Bon, blablabla. On va voir ce qu'ils nous ont volé. Là, je suis obligé de prendre le dernier coffre, c'est ça. Ok, donc on n'a pas vraiment le choix. Mon lion, je l'ai enfin retrouvé. C'est quoi? Statuette en or. Ah oui. Ah, oh, ils ont volé du temple. Ça doit être celui de Yvan, ça doit être le bâton. Oui. Je croyais qu'on pouvait choisir un des coffres, mais qu'en fait, de toute façon, quoi qu'on trouvait, quoi, n'importe lequel donnait le bâton, donc sinon on pouvait pas avancer. Ah, non. Personne lorsque les portes sont fermées. C'est la ville où on a été dans l'épisode précédent où on peut pas rentrer parce que les gardes nous arrêtent. Ouais, c'est sûr. Nous pouvons pas faire grand chose avant que. Hop, blablabla. Bon, tu t'appelles bien Vlad, oui, et tu es. C'est Gareth. I'm Gareth! Bien, allons-y. Bon, on va aller récupérer l'objet, le coffre. Enfin, ce sera pour Yvan, mais. Avant de quitter, venez passer me voir, j'ai quelque chose pour vous. Ah, va falloir que je trouve où il habite. Trois petits points. Quelle pagaille, et maintenant. Non. J'aimerais pouvoir t'encourager, tu as l'air déprimé. Ouais, bah en même temps, tu m'étonnes. Non, non, non. Vous avez une mission importante, pas vrai? Je l'ai lu en vous. Oh non. Oui, nous devons trouver Pavel et son groupe. Oui, bah oui. Oui. De toute façon, même si on dit non, je pense que ça revient en même. Hein. Le bâton. Bâton chaman. C'est le bâton du maître avec ses. Ses testiboules sèches en haut du bâton. C'est pas ça, mais ce serait drôle quand même. Alors, j'ai récupéré un objet. Le fameux cimetière. Ah. Ouais, donc c'est à vendre. On va aller. Bah, on va essayer de finir ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans la ville par rentrer. Parce que je crois qu'il y a, il y a des petits trucs à faire. Parce que là, ça fait. Ouais, 18 minutes, ça va. 20 minutes d'épisode, ça devrait aller. On va aller voir le maire. Peut-être que le maire a un truc à nous donner. On va vendre le cimetière. Ah oui, je sais ce qu'il faut faire. Faut récupérer l'os. Je crois qu'il faut donner l'os au chien et il nous montre un truc. Parce que je viens de le voir, l'os, en fait. En haut, à gauche. Là. D'accord, en fait, on prend l'os, mais il reste quand même là. Ok. Je crois que si je donne l'os au chien, il dit quelque chose. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une jarre cachée. Là. Non, mais. On ne trouve rien. C'est dommage, hein. Je crois qu'il y a un truc à récupérer de l'autre côté en plus aussi. Os. Os, utile. Ah ouais, mais je crois qu'il faut creuser, mais j'ai rien pour creuser, je crois. Non, là, il n'y a rien. Il y a un truc là-haut, je crois. Ah ouais, mais je sais plus comment on y va. C'est trop bien. Il y a un truc à faire ici, en fait. Je crois que je vais y aller voir. Mais je crois que je peux y aller maintenant, mais c'est compliqué. Faut que... On le pousse au calme. Dans le plus grand des calmes, on le pousse, hein, le mec. Hein, tout va bien. Je crois que... Est-ce que si je relis... Ah bah non, mais j'ai plus Yvan, merde. Je peux plus lire dans sa... Dans son esprit. Fuck d'amitié.
Alors si je me trompe pas, je crois que je peux aller par là. Ah non, ça me sort directement, merde. Je sais plus comment on fait pour y aller. Je crois qu'il y a un truc. Il y a un truc où en fait, si on passe pour arriver sur le côté, il y a un djinn normalement sur le côté là-haut, mais je sais plus comment on y va. Je crois qu'il faut avoir une autre un autre truc pour y aller. On va vendre l'objet. Vendre. Alors. 500, bah putain. C'est pas mal déjà, hein. 500 d'XP, c'est pas mal. Alors le maire, je pense que sa maison, c'est celle qui est là. Ça me paraît très logique. Oui, c'est bien ça. Ils ont tous la même tête, les maires, de toute façon, je pense. Merci, promis. Permettez-moi de vous prouver notre gratitude. Oh, je vends. Oh, c'est bien ça. Ok, voilà, alors je crois que le c'est pour ressusciter les morts. Oui. Bonjour, j'aimerais revivre. Ah d'accord. Je ne sais plus du tout comment on fait pour aller là-bas. Ça m'énerve. De toute façon, on a fini normalement les trucs dans la ville parce que je crois que je peux pas faire attraper. Si je fais attraper. Non mais, passe-moi mineur. Je vais attraper le chien et je vais l'embarquer avec moi, tu sais. Ces hommes sont en prison. Ok. Le mec il dit que ça fait longtemps que la ville et la prison était vide. On peut grimper, au calme. Ah mais il est là le djinn. Mais je sais plus comment on fait pour y aller. Je crois qu'il faut d'autres choses. On peut pas sauter là. On l'a vu en plus, c'est un djinn de terre, mais genre. Il y a que des djinns de terre ou ça se passe comment? Il y en a un qui s'est fait arnaquer dans le lot, c'est Garrett. Hein. Bon, ah, peut-être qu'il faut passer par le puits. Je crois qu'il y a une connerie avec le puits aussi, avec les gamins qui tournent autour. Mais. On peut pousser les gens, mais genre c'est vraiment au calme quoi. C'est plus tard qu'on peut descendre dans le puits. Ouais, c'est plus tard qu'on peut descendre dans le puits. Je crois qu'il y a un truc où on passe par là. Donc, on va quitter la ville. Non, pas A. On va quitter la ville, on va se mettre là, on va sauvegarder. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, waka!